You are now about to witness the strength of street knowledge. I'm coming straight out of Compton. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, 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 dead. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. As I leave, believe I'm starving, but when I come back, boy, I'm coming straight out of Compton. Ooh, regardez ça comme il est beau, je vous dis. J'ai un copain qui dit que vous avez avec Ramon Camacho. C'est rien que ça. Ferme les trous. Cállate, qui est-ce qui a les cojones? Je ferais pas ça si j'étais toi. Te mêle pas de ça, hombre. Si tu veux pas que je te tire une balle en el culo. Je suis chez moi, ici. Et ces filles m'appartiennent à moi. M'appartiennent? Eh, dis donc, t'as pas honte, toi? C'est une façon très sexiste de parler de ces deux biatches. Gracias, mon gros pousset. Moi, moi, je veux de la bonne éducation. Bonjour. Je m'appelle Ali. J'habite in Staines. Tu m'as fait user mon dernier mouchoir, man. Et ça, c'est pas des manières. Fils de chien de ta puta madre. Pour qui tu te prends, cabron? Tu ne sais pas ce que je peux te faire. Tu sais pas que je peux te tuer, pine de canaries. Tu quoi? Parle à mes ouades, car ma face, elle écoute rien. Mata-lo! Oh, excuse. La vie est le plus précieux des cadeaux que Jah nous ait offert. Con si metado. Eh, je peux vous aider peut-être. Ah, ouais, c'est bon, vas-y. Ah ouais, putain. Merci, madame. Ah ouais, vas-y, c'est bon. Oh, Tupac, non. Oh, puis après tout. Oh, ouais, oh bébé. Ouais, vas-y, cherche les babales. Vas-y, vas-y, cherche. Ali, t'es réveillé? Ali, poussin, tu sais quelle heure il est? Qu'est-ce que tu fabriques encore à dormir? Désolé. Quelle joie de se lever devant ma table. Par un beau jour, 4 heures, 5 heures, 6 heures, par un beau jour d'été, mais quand ça vient l'hiver, j'ai trouvé quelle joie de se lever de bon matin. Mais rien branlé, au lit, c'est mieux. Oh, c'est mieux là. Ali, poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre. Dépêche-toi, voyons, tu as ta classe aujourd'hui. Oh, chômé. Allez, debout, hop et hop. Wicked!
wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, original. Maddie will of them, I spin them like a windmill. You talk with them, don't tell them how we got this skill. Dance girl, I said let's win the party bill. And the girls see you with vices like them jeans get for feel. Pass out winning, better pass out winning, better go like winning, better chill. I go winner, cycle winner, over the hill. Booyaka, booyaka, when the general advance. Booyaka, booyaka, MB run the dance. Booyaka, booyaka, winner take part to that. Booyaka, booyaka. Incredible. Mr. Lee, people, they might be a gentleman, pretty general. Keep up on that, enemy style. We keep that original. Enemy from that, enemy from skin. We know the impartial. Enemy from this and that. DJ to them funeral. General Lee, that, enemy from back. Yes, sir. Hi. Respect. Alors, ça roule dans la bonne ville de Staines, mon négro? Yo, négro, on se les garde au frais, on se fatigue pas, on s'arsouille au dune d'autre. Trop puissant. Trop puissant. Ouais. Yes, Jeezy, sérieux, t'es pas habillé en vert, là? Oh, je le savais, l'autre, tu nous lâches pour la bande des Ivor East, je parie que c'est ça. Eh, les mecs, venez, on le fume. Non, non, attendez. C'est ma mère, elle a mis mon t-shirt jaune dans la machine à laver avec les chaussettes de foot bleues de mon frère, et ça déteint, forcément. C'est ça. Vas-y, raconte cette connerie, dans le ghetto. Qu'on lave du synthétique qui déteint à 60 degrés, bouffon. C'est sûr qu'ils vont ruiner ta face. Foutez-moi le camp d'ici. J'ai pas envie de me faire virer à cause de vous. Aïe, 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 putain, c'est quoi ton problème, hein? T'as pas vu qu'on était des grands délinquants, là? Pauvre gaffe, pauvre nas, tu nous gaves. On va te faire marave ta tête. Pouf. Dégage. Ok, d'accord, on va sur le banc. Ouais, monsieur. Les East Side, la bande du secteur Est. Oh, mais c'est les killers du secteur ouest, les Westside, loin de leur précieux centre-cul. Bouyakasha! Wikidiwakusha! Boum! Le secteur est, c'est de la balle. Le secteur ouest, c'est de la balle. Le secteur est, c'est de la balle. Le secteur ouest, c'est de la balle. Le secteur ouest, c'est de la balle. Le secteur est, c'est de la balle. T'as fait chier, je voulais dire secteur ouest, c'est de la balle. Toute façon... Vous êtes sur notre territoire. Quand on dépasse la crèche des petits poussins joyeux et qu'on continue un petit peu avant d'arriver au Niron Point Circulaire, vous savez, c'est Hemslake Garden. C'est là que vous arrivez dans le secteur ouest. Mais vas-y, je m'en tape. Ouais. Ta Renée, c'est une grosse vache. Elle est tellement grosse que quand elle se fait embaucher pour nettoyer les cages aux os, les gens qui se promènent par là-bas, ils disent « Oh, check l'hippopotameux !» Mais vas-y, c'est pas sa faute, c'est glandulaire. C'est glandulaire. L'autre, il s'est pris pour un lampadaire. Eh ben, t'as ouais, c'est un bouffon, va. Ralentis, là. Le branleur, s'il roule comme ça, il va se faire ken. Hey, yo, 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 les XD, c'est toi qui les as prévenus? Ouais, et alors? Putain, t'es con, mec. T'es tellement un rebelle, mec. C'est la fête du slip. Slip à ta ouais, mère. C'est frais. Ça vient, là. Ouais, c'est bon, là. C'est trop mortel. Trop mortel. On kiffe, grave. On maîtrise, hein. Wesh. Sommet. C'est là qu'on s'éclate, c'est là qu'on s'éclate, c'est là qu'on s'éclate. Sommet, ça déménage, trop grave, ça trace, ça rase, c'est la classe. J'ai le A et le L et lui, le G. Allez G, that's me, et le A et le L et lui, le G. Allez G, that's me, et le R et lui, le C et le K et le Y. C'est Ricky C, Ricky C, et le C et le C, et Ricky C, Ricky. Attends une seconde, je vais être en retard à ma classe là, on s'étreint. Oh. Le crack, la cocaïne détruisent notre communauté. Et quand un frère arrive à décrocher, il a droit à notre respect. Alors on applaudit notre ami Darren. Il est clean, lui. Il a décroché du crack. Ça fait 8 ans. Non, ça fait 8 ans 3 quarts. Comme tu veux. Je vous ai déjà dit ce qui vous guette si vous sniffez la ligne blanche de l'autoroute du vice. Game over. Oh, regardez, une chienne. T'es homo, t'es homo. Hé, hey, surveille ton langage, toi. Le mot juste, c'est petite tapette. Beaucoup mieux. Allez, tout le monde debout. On va distribuer les médailles de la semaine. D'abord, bravo à mon petit camarade Andy, qui a enfin obtenu sa médaille de braquage de caisse.
Et sa médaille d'insulte méga pérave. Va chier, ton enculé de couille de chien. Respect. Et comme tu as gagné ta 5e médaille, tu as droit à ta 2e encoche. Et peut-être même qu'un jour, t'arriveras au même niveau que Tyrone. Attention, Tyrone, si tu continues à t'améliorer, il va falloir t'encocher les poils du zbou. Ah. J'en ai même pas. Moi, j'en ai des millions. Alors, souvenez-vous, sans la sincérité, nous ne sommes rien. Donc, pense-y. Impose ton style. Impose ton style. Alors, quand vous êtes dans la rue, vous devez vous souvenir que votre copain, il n'hésitera pas à se faire buter pour vous. Et pour illustrer ceci, nous allons commencer avec un exercice de confiance. 1, 2, 3. Allez, je peux te dire un mot? Ouais. C'est à propos de notre centre. Écoute, je sais que c'est très important pour toi, ces classes. Je sais combien les gosses les aiment. Mais j'ai bien peur que le gouvernement nous retire nos subventions. Ils ont décidé de fermer le centre culturel John Nike. Mais quoi? C'était le seul moyen pour les gosses de sortir du ghetto? Bah, ils auront qu'à aller ailleurs. C'est comment ailleurs? Tu sais ce que ce centre représente pour eux? Et pour moi? C'est le foyer spirituel de tous les mecs du secteur ouest, t'imagines? Enfin, c'est comme la Mecque pour les feuges. Comme si t'avais une tarte sans les poils. Et c'est ici que, pour la première fois, ma Julie m'a laissé toucher son... Allez. Tu peux rien y faire, c'est cuit. Maintenant, tu ferais mieux d'aller le dire au Moum. Jamais je les laisserai fermer notre centre, les enfants. Impose ton style. Avec le Premier ministre belge à 20h, briefing à l'OTAN dans une demi-heure, et le vice-premier ministre veut vous parler de toute urgence. Est-ce qu'il a le résultat des sondages? Excusez-moi. Ah, je les ai à mon grand regret. On nous attribue 22 points de retard. Et pour Maury? 23 points de retard. Notre jeune électorat nous lâche, c'est effrayant. Nos socio-analystes nous confirment que nous ne sommes plus dans le coup. Ils ont peut-être raison, je sais que c'est mon cas. Ne soyez pas ridicule. Allons-nous perdre ces élections, David? Hors de question, nous n'avons pas perdu Staines en 20 ans, nous n'allons pas nous y mettre maintenant. C'est notre image, le problème. Il nous faut trouver un candidat qui va améliorer cette image. Quelqu'un de jeune. De multiculturel. Qui soit dans le coup. C'est ça, monsieur le Premier ministre. Vous avez absolument raison, David. Tout ce qu'il nous faut trouver, c'est un candidat au-dessus du lot. Intellectuellement supérieur, qui nous garantira la victoire. Bien ou quoi, madame Hugues? Bouyakasha. Est-ce que ma Julie est par là? Elle est montée. Gardez la foi. Oh, mon bébé, tu m'as tellement manqué aujourd'hui. T'es trop bonne, toi, tu sais. J'aurais t'arraché le slibar, t'es une bombe atomique. Ali! Oh, salut, ma Julie. Tu pourras arrêter de ploter Nina, je t'attends. Franchement, je m'ai confondu. C'est marrant, tu te confonds jamais avec Tracy. Salut, Ali. Ouais, salut. Tu sais bien que t'es ma seule biatch. Trou! Femme? Quand Wam ferme mes yeux, ouais, t'es la seule fille qui crèche dans ma teuté. Ali, c'est bon, ouvre les yeux. Désolé, non, c'est parce qu'il y avait un truc qui me faisait mal. Parce qu'il y a des ondes d'amour qui dansent autour de moi, là. Il y en a deux qui me squattent et qui me resquattent, et elles me resquattent encore, et elles me rentrent dans mes yeux, là. Ali G, tu es un vilain petit garçon et tu dois être puni. Tu es vilain, non? Oui, madame. Mon corps est tout sec. Tu es vilain et je te condamne à m'enduire d'huile et à me masser. En insistant sur ma poitrine et mes petites fesses. D'accord. On y va, hein? Mais d'abord, je veux que tu enlèves ce chapeau grotesque, que tu es un vilain, très vilain garçon. Mon bonhomme, non, jamais, je l'enlève. Tu enlèves ce chapeau et j'enlève ça. J'enlève. Et maintenant, je vais faire monter ta température. Ali! Elle me dit qu'elle a le corps tout sec. Tiens-toi bien, Alistair. Juju, ils vont nous fermer le centre. Je vais faire une grève de la faim jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. Ou que je sois dead. Alors si je dois rejoindre Tupac ou Biggie Small dans le grand ghetto du ciel, il fallait que je passe ici pour te mettre dans la lune une dernière fois. Faudrait peut-être demander à Monsieur Johnson ce qu'il en pense. Je peux regarder? Il peut prendre des taufes s'il veut. Ali,
Fais pas l'imbécile, tu veux? Eh, hey, sérieux, elle, c'est pas ma vraie Julie. Hein. C'est évident que dans la vraie vie, je sors avec une meuf beaucoup plus bonne. Mais ils ont fait ça pour que je paraisse plus accessible. Comme ça, vous, les taspés, vous pouvez quand même vous imaginer que je vais vous niquer, même si vous êtes un vrai ton. Ok, alors il te reste 10 secondes avant de démarrer, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, et roule. Monsieur G, pourquoi cette grève de la faim? Pour ça, je vais lutter pour... cadre de la lutte pour la justice. Je suis prêt à sacrifier ma vie. Je suis comme Martin Luther Van Drosting. Voici le secrétaire général de la section locale du parti, Alan Swan. Il a préparé une liste de candidats potentiels pour l'élection. C'est un grand honneur. J'ai toujours été un de vos partisans les plus enthousiastes. Les noms Swan. Oui. Il y a trois brillantes candidatures qui correspondent bien à vos critères. Le premier de la liste est Andrew Hamilton, agrégé de sciences politiques, philosophie et économie à Oxford, sorti major de sa promotion. T'as déjà goûté ces beignets de poulet? Ils sont super bons. Ah ouais, ouais, je les connais, ouais. T'as pris quelle sauce avec? Oh, sauce barbecue. Cette monture, je craque, je craque. Mais là, tu vas souffrir, poulet. Parfait. Bon, ben, nous, on y va. Oh non, putain. Ok, alors là, je vais chercher les clés, hein. Attends, je recommence tout à zéro. Maintenant. Bring it back. Non. Bah alors, Rasta, tu te prends pour une allumette? Je représente sérieux, je proteste si ça te dérange pas. Ah ouais, tranquille, ouais, ouais. T'inquiète, on va pas te prendre la tête. Gentil, ça fait plaisir. Par contre, il manque un petit truc. Allez, te cache pas dans les walpes. Dis bonjour à la dame, fais pas ta flémarde. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez qui se fait faire le maillot par toutes les Destiny's Child. Hé, ailleurs, regarde. Et regarde là. Et regarde cette top de Stromo. Vous êtes un gorée immonde. T'as vu, chef? Cette grille est dans un sale état. Attends deux secondes, il faut que je l'astique bien à fond. Agrégé en sciences économiques, 3 ans à Harvard, il a 34 ans... Swan, on pourrait m'expliquer pourquoi un homme à moitié nu, vêtu de façon absurde et de plus enchaîné à une grille de jardin public, se fait astiquer par un vieil employé municipal aveugle? Faites pas attention, c'est un crétin du coin qui fait valoir ses revendications. Libérez-le et qu'on l'amène dans ce bureau. Mais je n'ai pas fini de vous présenter. Amenez-le ici, Swan. En face, en haut de l'escalier. Freaky baby. Freaky baby. Freaky baby. Let me lick you up and down. You want me to do? Cause ce soir, baby, je vais te faire vibrer les genoux. Je m'appelle Kate Hedges, je suis la secrétaire particulière du vice-premier ministre, je vous en prie. Entrez et vous pouvez remonter votre pantalon. Enchanté, je m'appelle David Carlton, ministre des Finances et également vice-premier ministre.
Salut, je suis Ali G. Je suis le plus grand des MC. Pour moi, les biatchs se touchent le plus nani. Et si moi, je te dis lundi, tu me dis... Mardi. Ni Ali A, ni Ali B, ni Ali C, ni Ali D, ni Ali... I... Ni Ali... F... Mais Ali... G. Pour un blaireau, il y a du fond quand toi, ouais, monsieur. Voici son nom et son adresse. Dites-moi, Ali, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens de perdre mon boulot, c'est triste, non? Ah oui, quand? Il y a un petit peu plus de 8 ans. Je lis ici que vous réclamez une pension d'invalidité. Ouais, je suis handicapé ces temps-ci. J'ai eu un accident de travail quand je faisais le DJ. J'ai jamais récupéré la totale mobilité de mon doigt de mixage, vous voyez? Aouh! Rassurez-vous, en dessous, ça fonctionne. Ah ouais. Wesh. Ali, asseyez-vous donc. Je vous en prie, asseyez-vous. Avez-vous déjà songé à devenir membre du Parlement? Qu'est-ce que j'irai faire au Parlement? Il n'y a rien que des baltringues. Je me trouve dur, je suis parlementaire. Suis-je un baltringue? Ouais. Essayons d'aborder la question sous un autre angle. N'y a-t-il rien sur cette terre que vous souhaiteriez changer? Si, je voudrais sauver le centre culturel John Nag. Dis donc, vous êtes bouché ou quoi? Eh bien, en tant que député de Staines, vous pourriez le faire. Seriez-vous notre candidat dans cette élection bilatérale? Bah, moi, faut que je sois un peu honnête. Hein. Je suis pas du tout bilatéral. Je veux dire... Bon, j'ai déjà fait ça avec deux filles, c'est clair. Enfin, je l'ai vu faire sur Internet. Mais je me sentirais jamais complètement à l'aise en me faisant mettre par un mec. Ou en emmanchant un mec. Ouais, bon, je sais, il faut jamais dire jamais. Mais moi, je ressens vachement fort que mon trou de sortie devrait rester mon trou de sortie et jamais devenir un trou d'entrée. Hein? T'as compris le topo? Oui. Oui. Bien, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Eh, garde la foi. Sois patiente, poupée. David, à quoi vous jouez? C'est l'abruti le plus consternant que j'ai jamais rencontré. Avec lui, nous sommes pratiquement sûrs de perdre ces élections. Je sais. Mais ça conduirait le parti à une crise interne, à un vote de défiance et exit le Premier ministre. Et selon vous, qui serait apte à le remplacer? Ali a 2 semaines pour nous faire reculer de 18 000 voix. Lâchons-le dès maintenant dans l'arène électorale, ma chère. Reste cool, face de bidet. Je m'appelle Ali G, mon taf c'est de représenter Staines. Je veux savoir si je peux compter sur ta voix, qu'est-ce que t'as à dire? Tout à fait exclu. Aucun problème. Ah tiens, au fait, j'en profite tant qu'on y est. Ça t'intéresserait pas une demi-barrette de Marocain bien noir, non? Eh, c'est du bon taf! Dave, cette fois c'est à toi de chier dans la boîte à lettres. Notre programme anti-violence nous a valu des félicitations dans tout le comté. Et je tiens à dire que les agressions dans notre école ont totalement disparu. Ah, voici Jonathan. Il a longtemps été le souffre-douleur de sa classe. Ah ouais? Tu m'étonnes. Regarde-le. Eh, patapouf, pouf. Eh, patapouf, pouf. Eh, tu veux un autre chou à la crème? Boing, boing, boing. Non, sans déconner, c'est un gros tas. Eh, vous bande de bâtards, bande de bande de bâtards. Eh, vous bande de bâtards, bande de bâtards. Votez pour Ali G, ce gros bâtard d'Ali. C'est moi ce bâtard d'Ali. Toutes les salopes qui sont dans la place, dites yo. Votez pour moi, parce que moi je sais ce qu'il vous faut, les Gouines. Je suis un fidèle supporter de votre cause et je vous jure que j'ai beaucoup, beaucoup de vos vidéos chez moi. Si vous votez pour moi, ben je vous fais la promesse de réduire les taxes sur tous les godes Michel. Cool, les gonzesses, voyez qu'il vous faut un coup de gode. Mesdames et messieurs, pour célébrer l'extension de l'hôtel de ville, nous souhaiterions que chaque candidat nous fasse le grand honneur de poser une brique. Ali, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir en poser une pour nous? Quoi, là? Nous en serions très honorés. Devant tout le monde? Bien sûr. D'accord. Mal. Ceci est absolument vital. Il y a 10 jours, nous avions 14 points d'avance. L'élection a lieu dans 24 heures et nous avons 8 points de retard. Rassurez-moi, vous avez bien reçu le manifeste que je vous ai envoyé.
Parce qu'il faut. Ouais, ouais, attends. T'as un autre de ce qu'il faut. Ouais, ouais, donc. Roule alors. Changez là, changez. Oui, ça nous a beaucoup inspiré. L'antenne dans 30 secondes. Venez avec moi, s'il vous plaît. Silence sur le plateau. Bonne chance. Lâchez-vous, mon cher. Il s'agit probablement du scrutin partiel le plus crucial de la décennie. Nos invités ce soir sont l'ex-secrétaire d'État à l'environnement et poids lourd de la politique, David Griffiths, et le nouveau venu, Ali G. Si vous n'avez pas encore arrêté votre choix, ce sera chose faite à la fin de ce débat. Ali, si vous étiez élu, que feriez-vous pour Staines? Je sauverais le centre culturel de John Knight, c'est clair. Je ne peux pas croire que votre unique objectif politique soit de sauver un centre à peine utilisé et qui est une terrible charge financière. Quels sont vos autres objectifs? Mes autres objectifs? Oui, vous devez bien en avoir. Ouais. Oh, je pense qu'il est bien important de réduire l'inflation. Et aussi d'investir dans la sanité. La sainteté, la sanité. La santé. Vous avez copié sur ma feuille. Mais c'est même pas moi, j'ai pensé à ces trucs-là de moi-même, puisque c'est vous qui avez copié sur moi. It wasn't me. Dans ce cas, pouvez-vous me dire ce que les lettres TVA vous évoquent? Nous vous écoutons. No problemo. Moi, je pense que leur premier album était pérave. De toute manière, je peux pas blairer la musique indienne. Très franchement, les électeurs de Staines ont droit à mieux. Ce n'est pas un cirque ici, c'est un débat. Ah ouais? Moi, je vois un clown ici, c'est marrant. Continuez ainsi, et les électeurs comprendront sans peine quel pitoyable bouffon vous êtes. Hein? Mais c'est celui qui dit qui y est! C'est qui le bouffon, là? Vous êtes une honte pour votre parti et pour la population de Staines. Franchement, parler comme ça de ta mère, c'est trop abusé, monsieur. Je me permets de vous dire que vous êtes, à mon sens, le pire parmi tous les candidats qui aient jamais été présenté par votre misérable parti. Je me permets de vous dire... que t'as sucé la teub à un cheval. Je n'ai rien sucé du tout. J'ai déjà réglé cette question avec, comment dire, le président de mon parti, et ainsi que je lui ai expliqué clairement, j'étais en train de chasser avec un ami et j'ai trébuché sur le gland du phallus d'un cheval, lequel, par malchance, étant donné que c'était la pleine saison du rut, était en érection. Pourquoi tu pars, monsieur? T'as une tournante avec un poney? C'est beau, ça. Alors, c'est oui ou c'est non? Réponds, hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que t'as une ailette de cow-boy? Abuser d'un cheval, je trouve pas ça beau, Ouais. Hey, cow-boy, ça va galoper pendant les sondages, hein? T'as galop. Un autre dramatique incident a eu lieu au cours de la campagne, à savoir le retrait surprise du candidat de l'opposition hier soir, David Griffiths. Le vote de demain se résume à présent à un duel entre deux hommes, messieurs Thomas Alvarez et Ali G, et son issue est très incertaine. Thomas Alvarez, libéraux-démocrate, 5080 voix. Alistair Leslie Graham. Qui? C'est quoi ce nom bidon? 5086 voix. Je déclare solennellement que Ali G vient d'être élu membre du Parlement pour Staines. Alors, tu veux le voir, nouveau membre du Parlement, hein? Et regarde, je me touche, là. Ça te plaît, hein? Ah, ça t'excite, hein? Ça t'excite? Ça t'excite pas? Pas vraiment. Tu veux embrasser les idées de mes partis? Oh, mon chéri, que tu es long et dur. Non, c'est le frein à main. Allez, chéri, faut que ça bouge. Mr. Bombastic, Reggae Fantastic, Mr. Roar. Magic! T'étais dedans, là? Thank you.
Bien ou quoi, tranquille? Respect. Big up, man. Bien ou quoi? Il est toujours habillé comme ça. Eh, je te connais, toi. Ouais, c'est toi qui t'es fait serrer avec une pute, hein? Respect. Parce que ce gouvernement... Silence! Ce gouvernement conduit une politique économique qui est non seulement inefficace, mais encore méprisante, mensongère et indigne de confiance. Hey, il chie sur notre gang, là. Je vais laver l'affront, moi. Du calme, messieurs! Voilà le résultat! Silence! Silence! Que le député de Strange regagne sa place! Que le député de Strange regagne sa place! Silence! Du calme, s'il vous plaît! Mon Dieu, à quoi joue-t-il? Ce n'est pas très clair, monsieur le Premier ministre. Et certains membres du Parlement qui bafouent nos institutions, comment osez-vous descendre ici, monsieur? Vous plantez devant moi, il y a pas de toupet! Relax, tapette. Regardez-vous! Tout ce que vous savez foutre, c'est passer vos journées à vous traiter. R-E-S-T-E-C-P. Ça vous dit quelque chose que je viens d'épeler? Restecpe? Ouais. Restecpe. Restecpe. Comment voulez-vous que les gens puissent se restecper dans la vie? Si vous, ici, ne donnez pas l'exemple en vous, restecpant les uns les autres. Sergent, veuillez expulser ce monsieur. Vous voulez savoir comment rendre ce pays meilleur? C'est simple. Deux mots. Impose ton style. Ça fait trois mots, ça. Eh, viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça, teubé. C'est une liaison pour attacher les deux autres. Impose ton style. Le député de Strange sera exclu du Parlement. Ouais, c'est parce que je suis black. Grand Dieu, dans quel pétrin vous m'avez mis? Je veux cet idiot dans mon bureau demain matin avec sa lettre de démission, c'est clair? C'est parfaitement clair. Entrez. Ouais, je sais. Excuse-moi, monsieur, j'ai abusé. Ali, avez-vous lu la presse ce matin? Impose ton style, la voix de la nouvelle génération. G en impose à l'opposition. Oh, j'arrive pas à y croire. Sans déconner, il y a un yinche qui joue au ping-pong, c'est dingue. Ali, regardez la presse, il vous adore. Mais il tient la raquette avec quelle patte? Ali, le vice-premier ministre et moi-même, nous nous demandions si vous accepteriez d'entrer au gouvernement. Et non, réfléchissez une minute. Ali est au gouvernement, lui et le premier ministre sont liés de toute évidence, mais Ali commet une bourde et discrédite le vieil abruti dans la foulée. Rien ne prouve qu'Ali sera intéressé? Si, car j'ai suggéré au premier ministre qu'il s'engage à lui sauver son centre culturel. Vous n'y pensez pas, je veux dire, ça ne peut... Laissez-moi finir. S'engage à lui sauver son centre culturel si Ali lui assure 20 points d'avance dans les sondages d'opinion. Yo, bossman, maintenant que je suis au gouvernement et tout ça, je peux pas jeter un œil au bouton rouge? Puis-je vous faire confiance? Yes. Très bien. Allons-y. C'est là. La moindre pression sur ce bouton rouge pourrait détruire le monde entier. Ah bah justement, c'est intéressant que vous me disiez ça, parce que... Non, non. Oh, comment il s'est fait avoir? Comment je l'ai possédé? Bon, éloignez-vous de ce bouton. Oh Dieu. Eh, on peut pas faire péter un petit truc? Enfin voyons, c'est ridicule. Allez, s'il te plaît. Non! Mais un petit truc pérave, genre le Pays de Galles. Allez. Il paraît que le premier ministre gallois a traité ta mère de pute. Mais c'est moi le premier ministre du Pays de Galles. Bah, franchement, tu devrais pas parler comme ça de ta mère. Hein. Alors, votre premier conseil des ministres a lieu jeudi. Nous aborderons le problème des demandeurs d'asile. Je vais vous confier une mission d'information. Ceux qui font de la contrebande vers la Grande-Bretagne, il y a de fortes chances qu'ils passent par ici. Et il n'y a pas que des immigrants. Regardez là-dedans. Je vous préviens, c'est moche. Regardez-moi cette merde. 30 kilos de marijuana en provenance de l'Europe, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. Ça, c'est terrible. Il y a de la skunk aussi? Oui. Un malfrat a passé en contrebande plus de 15 kilos de cette merde. C'est de la super skunk de la triple zéro. C'est ici que nous rangeons les armes confisquées. Et ici se trouve la plupart... Vous devez vachement vous la donner ici, hein? Non, pas du tout. Hein? C'est ici que nous entreposons des montagnes de vidéos pornographiques. La plupart arrivent d'Allemagne.
Une horreur, mais vous n'avez peut-être pas envie de voir ça. Désolé, je dois faire mon boulot. Je sais, moi aussi ça m'a dégoûté. Bien, il va falloir que je prépare mon rapport, là. Vous auriez la gentillesse de bouger ton cul d'ici ? À vos ordres, monsieur. Ah, les services du Premier ministre m'envoient une équipe d'experts pour m'aider dans mes recherches. Jay-Z, mais range ton spliff. Bonjour, c'est nous les experts. Alors, Ali, racontez-nous. Qu'avez-vous découvert à Douvres ? J'ai vu des tas de machins, là, surtout des qui arrivaient d'Allemagne. Des tas de mecs qui rentraient par derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a absolument raison. Je suis allée en Allemagne et j'ai vu ça de mes propres yeux. Respect. C'est tout à fait renversant. Je me souviens avoir vu deux Africains immenses qui avaient réussi à s'introduire ensemble dans un coin si petit. Ils sont restés dedans longtemps ? Plus de 15 heures. C'était incroyablement émouvant. Ça devait être douloureux, ça, non ? Ça l'est encore. Désolé. Alors, John, qu'allons-nous faire de ces demandeurs d'asile ? Je vous écoute. Eh bien, on ne peut pas les laisser tous rentrer. Cela handicaperait notre économie. Ah, oui, Ali. Réfléchissons deux secondes. Il y a un truc qu'on n'a pas assez dans ce pays. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Les hôpitaux ? Non. Les piscines ? Mais t'es teubé ou quoi, toi ? Chez nous, on n'a pas assez de belles meufs. Chez nous, il y a trop de chemeaux, il y a trop de boudins. Sans vous offenser, Karen. Alors, on laisse rentrer toutes les belles réfugiées et on éjecte illico tous les tons. Comme ça, on résout en même temps les deux problèmes. Ça, c'est pas de la politique de branleur, hein ? Oh, c'est grotesque ! Qu'en dites-vous ? Je crois que... et qu'il faut imposer son style. Apte. 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 Attendez. Recalé, rentré en Slovénie. Comme je le disais, le niveau scolaire dans ce pays est en régression constante depuis 15 ans. Ouais, alors ça, c'est parce que aux kids, on leur enseigne des tas de trucs qui servent à rien. Parce que, je veux dire, dans cette salle, qui s'est déjà servi des maths ? Ou de la conjugaison ? Ben voilà. Ce qu'il faut, c'est commencer à donner un sens à l'éducation. Alors, si Kevin achète 600 grammes de cannabis jamaïcain au gros Tony pour 480 livres en liquide et qu'il doit les répartir entre 11 de ses clients habituels, à quel prix doit-il vendre les 10 grammes s'il veut faire un bénéfice de 100 livres pour payer sa pension alimentaire ? Monsieur le Premier ministre, la situation en Irlande du Nord est en train d'échapper à notre contrôle. Moi d'abord, la seule façon d'empêcher ces hindous de s'amuser à cramer des islamiques... Ce sont des catholiques qui affrontent des protestants. On s'en branle. C'est de s'arranger pour qu'une super meuf sorte ses Babylones au nom de la paix. Si je peux me permettre... Non, pas toi, chérie. L'armée coûte aux contribuables de notre pays 4,2 milliards par année fiscale. Qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire pour réduire ce chiffre ? On va engager les héros de l'agence Tourisque. Sa Majesté la Reine. Votre Majesté, je voudrais vous présenter Ali G, membre du Parlement pour States. Come on, baby girl, baby, show me your twirls. Come at me, boss, on the floor. I will rock your world. I will whine and go down, whine and come up. And watch the people run the way. Try keep it up. Salut, chérie. T'es vachement plus belle que sur les pièces de monnaie, hein. Moi, je te dis que la prochaine fois que je me mets une pièce de 50 pence dans la poche, je serai vachement honoré d'avoir ta face si près de mon zboub. Rien ne fonctionne. Le chômage a atteint un niveau historique. Ce pays a un lien historique très privilégié avec les États-Unis. Que pensez-vous des Bush ? Ah ouais, la Bush, c'est bien, mais tu sais, il y a d'autres moyens de privilégier le secteur pubien, tu vois ? Dansez pour moi, je vous prie. Putain, elle est rasée. Alors que Ali G gagne en influence de jour en jour... Le gouvernement fait un bond en avant de 12 points. Ali G investit le palais. Ali G apporte le règle à la vie politique. C'est du jamais vu. 150 membres du Parlement.
À partir de midi, tous les papiers à rouler seront gratuits. Pour décourager leur utilisation, il sera établi une taxe de 25% pour chaque petite culotte. Les strings en seront exonérés. En ce qui concerne la santé publique, la marijuana sera disponible gratuitement dans les centres agréés pour le traitement des maladies chroniques, telles que les couilles qui grattent. Et de plus, je suis une vraie fiotte. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas me demander... Allons-y, continuez, David. J'adore en prendre plein mon cul. Oui, je kiffe trop. C'est grave, génial. C'est ce que je préfère. J'ai été une femelle en chaleur, j'avais des portes-jartelles. La vérité. Demandez à ma mère. En Afrique. La Grande-Bretagne va accueillir une conférence de paix de la dernière chance. C'est le plus controversé de nos parlementaires qui a conçu le budget qui vient d'être triomphalement adopté. De m'avoir négligé pendant 3 mois. C'est bon. Écoute, Ali, j'ai jamais mis les pieds dans un truc comme ça, alors je veux pas que tu me laisses toute seule ce soir, d'accord? Wesh, baby. Regarde, c'est le Premier ministre. J'ai déjà vu à la télé. Je vais lui demander un autographe. Yo, allez, Bossman, allez. Ça c'est ma Julie. Oui, allez, ravissant. Je vais vous présenter les délégués. Voici le président Watana de Thaïlande. C'est un honneur, cher monsieur. Thaï! Aïe! Petit cadeau. Allez, bon, poursuivons. Je vous prie de m'excuser. Ah, voici le délégué mongol. Sérieux, t'es un vrai golbut? Oh, c'est fantastique. Ça aurait été trop nul que vous soyez pas représenté ici. Money, money, me. T'as raison. Money, money, mo. Ah, donc. Si t'es mignon, je vais aller t'acheter plein de jolis crayons de couleur. Ah, très drôle, yes. Très drôle. Continuons, allez. Merci, je vous prie de m'excuser. La science fait des miracles, on dirait pas qu'il est mongolien. Ah, voici Borat, délégué du Kazakhstan. Yekshmush. Moi aussi. Très content de faire connasse. Mais lâche-moi trop, pédale. Non, non, allez. Allez, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Va-t'en avant que je te fasse du mal, attention. Que je te nique ton race. Bonjour. Un amuse-bouche, monsieur. Ma Julie. Julie. Ah, t'es là. Qu'est-ce que tu fous ici avec moi? Pourquoi t'es pas restée en bas avec ta poule de luxe? Mais qu'est-ce qu'il y a? On parlait politique, c'est tout. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Ah non, me touche pas. Bon, bon, je ferme ma bouche. Un abruti. Allez, viens par là. Hé, hey, arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est la chambre du Premier ministre. Ah ouais? Alors si on jouait au Premier ministre? Une petite coquine, toi. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, en prévision de la conférence au sommet de demain, je souhaiterais m'entretenir en privé avec chacune des deux parties en présence. Donc, tout d'abord, président Mouépou, voudriez-vous me suivre au premier étage? Avec plaisir. Allons-y. Oh,
Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi. Je suis heureux que nous ayons pris ça à bras-le-corps. Mesdames et messieurs, de tous mes partenaires africains, le président Mouépou est le membre le plus impressionnant. Quant à moi, j'aimerais que vous sachiez que le Premier ministre a été très dur, mais très droit. Merci. Le président ici présent a largement dominé la question. Quant à moi, j'étais, on pourrait dire, au fond du trou. Tout au fond, je confirme. Et même si nous avons dû subir quelques frottements, je suis enchanté de dire que nous avons abouti ensemble à une réjouissante conclusion. J'avoue humblement que j'ai avalé tout ce que vous aviez à proposer. Président Wumpeba, voulez-vous monter avec moi? Même pas en rêve. Moi, je peux venir? Allez, viens, allez, on rentre à la maison. Je vais cuisiner ton plat préféré. Quoi, des cuisses d'ange? Ouais, avec du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète. Alors ce passage, c'est pour les gonzesses. Qu'elles voient bien que moi aussi, si je veux, je peux être très sensible. Ah tiens, pendant que j'y pense, si jamais il y a une bonne parmi vous et qu'elle aime la teub, ça c'est le numéro de mon mobile portable. Attention, il faut au minimum avoir au moins 16 ans. Mais quand même, pas trop plus, compris? Plus tard, ils ont besoin de moi à la conférence de paix, je dois rester là. Tu quoi? Y a pas que le Premier ministre qui a besoin de toi, tu sais. T'as peut-être oublié Ricky. T'as peut-être oublié Dave. Et moi, tu m'oublies, Ali? Ali, ta place est à Staines. Le monde est plus grand que Staines. Et moi, je dois le sauver. Eh ben, va falloir que tu le sauves sans moi. Oh, Julie. Ma Julie. Oui, je m'en occupe. 18 points. Il faut se débarrasser d'Ali avant que ce putain de centre soit sauvé. Écoutez, j'ai réfléchi... Silence, idiote! Les États-Unis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir le Tchad dans sa lutte contre ses voisins. La Russie ne peut autoriser cette occidentale oppression à continuer. Elle donnera son appui au Burkina Faso en utilisant la totalité de ses capacités militaires. C'est un outrage! Je tiens à déclarer à ce propos que vous n'avez aucune idée. Ali, Ali! Ça pourrait être le début de la fin du monde, je vous en prie, il faut m'aider, Ali. Ouh, je vais te calmer. Les États-Unis ne se laisseront jamais intimider. Nous sommes prêts à affronter sans hésitation ces menaces avec toute notre puissance militaire. Vous savez pourquoi ils sont tous en train de se traiter là-haut? C'est parce qu'on leur a pas servi leur thé. Allez vite, au boulot, couste, ça saute. Messieurs, proposition. Tous ceux qui sont d'accord pour envoyer l'Iran à la station service, acheter un paquet de chips, chocolat, levez la main. C'est toujours les mêmes. Je m'excuse de vous avoir envahi. C'était vraiment dégueulasse. Mais quelle importance tout ça, c'est du passé. Et quitte à me faire envahir par quelqu'un, je préfère encore que ce soit vous. Vous êtes super cool. Il est vachement mignon ton costume. Ça a failli être la fête à mon cul, Ali. No problemo, mon frère. Encore un peu de thé à la bœuf. Que devons les British? Respect. Comment ils osent, c'est fou. Yes, you are on top of my romance list. Second to none, you defeat the favorite woman you love. It's like burning fire, my soul. Woman, tease me till we lose control. Woman, you love. It's like burning fire, my soul. Woman, tease me till we lose control. Tease me, baby. Nous formons une équipe formidable, Dani. C'est grâce à vous que nous avons 22 points d'avance.
Je vais le sauver, votre centre culturel. Mortel! Hé, Théma, tous les pizzaioli! Ah, ils sont là pour vous, Ali. C'est votre heure de gloire. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir drogué les leaders du monde? J'ai quoi? Nous avons des éléments qui prouvent que c'est vrai. Nous avons des éléments qui prouvent que c'est vrai. C'est infantile, ça. C'est infantile, ça. En employant cette absurde tactique rhétorique, n'êtes-vous pas en train de vous incriminer plus avant? N'êtes-vous pas triné, c'était savant? Cette pochette m'a été envoyée anonymement à mon bureau ce matin. Est-ce que vous niez que vous l'avez dérobée au bureau des douanes? Quoi, ça peut être n'importe qui. Qu'est-ce à voir avec moi, ça, arrêtez. Bon, faut que j'y vais, là, j'ai pipi, puis en plus, si j'attends, je vais traverser mon jogging. Salut. Encore deux questions, monsieur Ali, deux petites questions. Quelle tristesse. Adieu le centre culturel. Nettoyez bien votre bureau avant de partir. Monsieur le Premier ministre. C'est de la balle. Oh putain, ça rase. Mamie, tu me prêtes ta caisse? What would I be without my baby? The thought alone might break me. And I don't wanna go crazy. But every thug needs a lady. Girl, it feel like you and I been more than together. Inseparable, you chose pain over pleasure. For that, you forever be a part of me. Mind, body, and soul. Ain't no I in we. Baby, what would I be without you? I know you're tired of being lonely. So baby girl, put it on me. What would I be without you? I only think about you. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. Pas vraiment la joie. Je peux peut-être vous aider. Vous vous êtes pointé à plusieurs? Vous croyez? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Attendez que je vous montre. La nouvelle importante de la journée. Le Premier ministre a démissionné après la découverte d'une vidéo filmée par une caméra de surveillance où on le voit en pleine débauche avec une inconnue, sans doute une prostituée. Monsieur le Premier ministre! C'est pas une prostituée, c'est ma taspé. À partir de 11h ce matin, le vice-premier ministre David Carlton deviendra premier ministre. Quoi, ces deux enfoirés, c'était pas le premier ministre? Faudrait qu'il nous montre toute la cassette, putain. Je crains que ce soit difficile. Mon boss la garde dans le coffre-fort de son nouveau bureau au ministère et elle est pas prête d'en sortir. Vous vous en tirerez pas comme ça. Ali, si vous ne parlez pas de cette histoire, David est disposé à être très généreux. Et moi aussi, je peux devenir généreuse. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne jamais ébruiter cette histoire. Je vais chauffer mes cylindres, Ali. Attaque-moi par surprise. Je connais un sniper qui va enfiler sa cagoule, ouais. Fais-moi voir ton zozio. Quoi? Ah, tu veux voir ma tub? Ah ouais, d'accord. Let me lick you up and down till you say it's
Fais-moi un dommage collatéral. Et dans l'émission de demain, nous poserons la question suivante. Avez-vous déjà couché avec un porc? En ce qui me concerne, oui. Et nous chercherons à comprendre comment cette fille a pu devenir une traînée. Non, personne traite ma Julie de traînée. Occupe-toi de maman. Impose ton style. Allez, enlève-moi tout ça. Tiens, mets le survibreur et t'as qu'à attendre que quelqu'un t'appelle. Dépêche-toi, dépêche-toi, putain, ouvre! Faut que tu m'aides, mon frère. Les bouffons de la télé disent que Julie est une pute, c'est la galère. Ils ont vu les photos de la teuf où elle a couché avec les trois mecs à la fois. Quoi, quoi, quelle teuf? Rien. On s'en fout, moi je veux juste prouver que c'est faux. Mon frère, on va redémarrer coup de boule FM. Qu'est-ce t'en dis de ça, hein? Coup de boule FM, ça va péter sur les ondes! Wesh, wesh, wesh! Allez, c'est toi qui t'y connais en deux. Yo, 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 branchez-vous, zappez la télé, je rembobine. Ici coup de boule FM, le vrai son du ghetto qui pulse jusqu'à vous. Spéciale dédicace du plus profond du Berkshire. C'est quoi ça? C'est un hélicoptère. Ah ouais, tu faisais les ailes. Ah ouais, c'est cool. Écoutez-moi les Lascars. Il y a une ronce terrible qui se prépare. Le premier ministre, rien que ça, il s'est fait abuser par une tafiole qui veut le faire mourir de honte. Il est encore beaucoup plus pire que Skeletor. Pour sauver sa race au premier ministre, il faut que je récupère une cassette vidéo de moi ou que je tournique ma meuf. Si vous m'aidez pour récupérer cette vidéo, on va sauver l'Angleterre. En plus, vous aurez droit de mater le bumper de ma Julie. Ah, j'en ai. C'est pour ça que je demande à chacun de vous d'arrêter les batailles entre frères. Il y a eu beaucoup trop de morts ces dernières années. Alors posez vos AK. Lâchez vos Uzi. Et unissez vos forces en une immortelle armée de frères. Allons-y, l'équipe de Itmweed. Big up. Avec nous, la bande de Ivor Heath. Respect. On lance un cri vers les Hungerford Green et leur bande de Lascar. Faites du bruit. Et puis j'aurais jamais cru que j'aurais à dire ça. Mais j'appelle maintenant le secteur Est de Staines. Allez, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Écoute, As, Hassan B. Si tu nous rejoins, je te propose de vous offrir le toboggan de Superman qui est dans Leagrove Park. Faisons ce que Tupac et Biggie ont jamais pu réussir. Ouais. Gangsters, gangsters, si vous nous rejoignez pour cette opération militaire, regroupez-vous avec vos affaires de camouflage et tenues de combat. Le point de ralliement est devant le centre culturel John Nike. Le rendez-vous est fixé à 9h demain matin. Terminé! En fait, c'est un peu tôt, là. On va dire plutôt midi. Désolé, je suis en retard. Mais il y avait un film à la télé sur les babouins et... ils sont super rigolos avec tous leurs leur bras et leurs... Respect pour que vous avez mis tous vos tenues de camouflage. C'est étudié pour agir dans la discrétion. Allons chercher cette cassette au ministère des Finances tous ensemble. Faisons-le pour le pays. Faisons-le pour ma Julie. Et faisons-le pour le hip-hop. Selector ! Selector ! Fight the power !
Écoutez-moi, les gars, j'ai dessiné un plan détaillé du ministère. La cassette, elle est dans le bureau du Premier ministre, là, dans un coffre. OK? Pour commencer, Ricky, Dave et moi, on entre. Jeezy, tu restes ici. On va dire qu'on est agence tout risque et que moi, je suis Barracuda. Non, c'est moi qui vais être Barracuda. Putain, sans déconner, c'est moi qui lui ressemble, arrêtez. Je déteste l'avion, moi. Je le fais mieux, Je déteste l'avion, moi. Non, c'est moi, je le fais mieux. C'est de l'or, ça. Je déteste l'avion, moi. Regarde, regarde, j'hésite pas, je m'embrasse moi-même. Je déteste l'avion, moi. Ça, c'est James Brown. Toi, tu seras looping. Et toi, Dev, tu seras futé. Et nous, qu'est-ce qu'on fout? Vous, vous restez là, et tout le monde se cache, et on se fond dans l'environnement naturel. Et quand il fera nuit, je ferai le signal secret. C'est bon. À ce moment-là, vous branchez votre radio sur la plus moisie des stations de Speed Garage et vous mettez le son sur grosse, grosse sauce. Ça fera sortir les gardes. Et c'est là que nous utiliserons un dispositif ingénieux pour les maîtriser. Mikado ! Monsieur ? C'est quoi ce cercle, nom de Dieu ? Je suis sûr que c'est rien, monsieur, mais je vais envoyer des hommes à tout hasard. Soyez vigilants, surtout. Je veux un maximum de sécurité. Inspectez les lieux. Le grand hall est exactement le même que chez Lara Croft. Vous savez, comme dans Tomb Raider 2. Alors, Dave, si tu cours jusqu'au pilier, ça nous fait traverser le monde sous-marin et peut-être on peut passer au niveau supérieur. Si jamais ça marchait pas, il faut qu'on trouve un moyen de passer le plancher piégé. Ma parole, si on décolle un pied du sol, on est dead. Rien. On continue les recherches. Prochaine étape, faut qu'on traverse les faisceaux laser. Dave, tu vas utiliser ta botte secrète pour nous aider à traverser. Oubliez pas. Si jamais il y en a un qui coupe un de ses rayons, il déclenche l'alarme, ok? Alors super gaffe. Allez, on y va. Dans mon bureau, ce sont des terroristes qui attaquent. Tirez sans sommation. Je répète, tirez sans sommation. Pas trop fort. Mais non, le coffre fort. Ah, c'est ce que je dis, c'est trop fort. Ouais, mais je sais qu'on est trop fort. Non, mais regarde, Alice, c'est le coffre fort. Ça va, je viens de te le dire qu'on est trop mais fort. Mais moi aussi, je viens de te le dire, c'est le coffre qui est fort. Alors. C'est le coffre fort. Ça va, Alice, c'est le coffre fort, te mets. Mais méchant, attention! Mais c'est quoi ça? Je croyais que tu savais pas parler, toi. Ben, c'est pas tout à fait ça, c'est que depuis que je suis tout petit, je fais trop de complexes à cause de ma voix. Ça va, tu vas pas me raconter ta vie, tu vas pas nous prendre la tête jusqu'à demain. Excuse-moi, mais on va interrompre l'histoire de ta vie qui est si poignante. Oh. Allez, on attache ces deux baltringues et on ouvre ce coffre-fort maintenant. Trop fort! Hein? Ah, non. Ah, je sais. On va relier ensemble les batteries de toutes les caisses qui sont dehors, d'accord? Et on va transférer le courant électrique en faisant une chaîne humaine et exploser sa mère au coffre. Mais on va pas se faire électrocutifier? Non, ça va baiser les batteries, mais nous, on aura rien tant qu'on se lâche pas les mimines, parce qu'on a tous des semelles au caoutchouc. Croyez-moi, j'ai pas eu un 2 en physique pour rien. Sur mes, j'envoie un texto. MKCR, B8 de reste 2, j'ai quoi? B? Non, B8...
De RES. Comme batterie en réseau, quoi. Batterie en réseau. De chez 4, attaché. Deux par deux, enfin, de plus de 4. Putain, j'en sais rien, va t'acheter un dictionnaire. Il est teubé, celui-là. Les moteurs, faites passer. Faut booster les moteurs, faites passer. Oh, la pure boîte pucelle. Faut booster les moteurs, faites passer. Faut booster les moteurs, faites passer. Faut booster les moteurs, faites passer. Faut bourrer ma sœur, faites pas chier. Quoi? Je démarre là ou quoi? Ouais. C'est pas de ma faute, c'est eux qui me tirent. Pisse, mon frère. Pisse, mon frère. Ah, sa mère! La cassette est pas là! Si tu me racontes, là? Eh ben, vas-y, t'as qu'à regarder. Il y a rien que des... des toutes vieilles photos. Oh, elle est bonne. Oh. Et là, c'est... et là, on s'en branle, c'est une carte de Staines. Ça Rastafari a laissé la CIA à Nai. Ils vont agrandir l'aéroport d'Isro. Ça veut dire qu'ils vont détruire Staines. Et ils attaquent dans 3 heures. 2 heures et 57 minutes pour être précis. Pourquoi que vous allez construire ce terminal sur Staines? Parce que j'y ai acheté 600 hectares de terrain. Voulez-vous me donner ça, s'il vous plaît? Inutile d'essayer de vous échapper de cette pièce qui est un véritable abri anti-atomique. Nous sommes totalement coupés du monde extérieur. Et j'ai oublié de brancher l'arrivée d'air, malheureusement. Ben, c'est pas un souci, suffit d'aller la brancher, cette arrivée d'air. Savez-vous que vous êtes incroyablement stupide? Hé, hey, face de Todd! Quoi? Donne-moi les plans. Sinon quoi? Sinon je te pince les bouts. Voilà sinon. Les bracelets indiens. Tu m'as cassé mon nez, barbare! Je déconne pas, mais tu devrais regarder plutôt derrière toi, parce qu'il y a tout un tas de policiers qui ne font rien qu'à tes mal! Regarde! Regarde derrière toi, là! C'est Jennifer Lopez! Eh, hey, je sais, Jenny, t'as envie qu'il te baisse tout de suite, t'as envie de son corps, hein, c'est une vraie chatte en chaleur! Tu kiffes son corps de mal... Et regarde, là, il y a de la monnaie qui est tombée du distrib. Tu dis, il y a un écureuil avec une tête de poulet. Et puis en plus, il a des ailes et puis et tout. Et voilà. Tu vas me taper encore. Et là, maintenant, je vais vous tuer.
Ça, c'est de la part du peuple de Staines. Oh zut, j'ai pas de papier. Ma Julie, t'es là? Je sais ce que tu dois penser de moi. Je me suis comporté comme une vraie merde. Mais il faut que je sauve Staines et j'arrive pas seul tout. Et en plus, je me suis chié dessus. Putain! Ricky et Dev! Ricky? On s'est dit que puisqu'on allait mourir, autant voir ce que ça donne. Ouais? Ça donne quoi? C'est pas mal, en fait. Dave? Franchement, ça le fait grave. On verra ça plus tard. Là, il faut qu'on sauve Staines. 2 minutes, on se retrouve à la voiture. Ok, ok, mais faites vite. Les fédéraux vont pas tarder et j'ai pas envie de finir en cabane, moi, c'est clair? Ah. Je ferais pas ça si j'étais toi. Allez, je t'aime! Julie! Salut? Il n'a aucune importance, commencez la démolition. Et attendez, faut pas écouter ce mec! C'est un criminel! Et même pas un bon criminel qui vend de la drogue ou qui fait des braquages. J'ai la preuve écrite qu'il essaie de détruire Staines. Et alors? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Arrêtez-les. Oh non, fais chier! On va aller direct en zonzon! En plus, pendant 20 ans sous les douches, on va prendre notre cul pour une base de loisirs! Attendez! Relâchez-les! De quel droit? Au cas où vous l'auriez oublié, c'est moi le Premier ministre en exercice. Vous, vous êtes en disgrâce. Discrédité par vous. Et voici la cassette qu'il prouve, David. Et s'il vous plaît, Kate. Non, David. Quand j'ai voulu entrer en politique, c'était pour créer un monde meilleur. Un monde d'honnêteté, d'intégrité et de vérité. Mais quelque part, le long du chemin, mes illusions ont été anéanties. Mon rêve a été souillé. J'ai découvert l'avidité, l'avarice et la corruption. M'ennui ! Oh ! Arrêtez-le. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec ce crétin. Vous allez bien ensemble, tous les deux. Va chier, connard ! C'est fort, et soyez-en certains, nous n'allons pas construire le Terminal 5 sur Staines. En lieu et place, nous démolirons cela. Cool. Ali, accepteriez-vous de devenir mon nouveau vice-premier ministre? Nous serions vous et moi comme les deux doigts de la main. Deux doigts de la main? Petite lopette et petite lopette. Alors, qu'en dites-vous? Je vous ai montré la voie. Vous devrez continuer le voyage tout seul, malheureusement. Parce que moi, je vais rester avec ma bande. Et ma tasse... Ma chérie... Si, si, y a bien un truc que vous pouvez faire pour moi. Par ici, monsieur l'ambassadeur. La plantation attend votre inspection. Play me reggae music in any condition. Drop it in a style, drop it in a fashion. Everywhere I go. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, voulez-vous tester la récolte? Oh, 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 yeah! I'm Mr. Reggae Ambassador. Hey. Oh, 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 yeah! I'm Mr. Reggae Ambassador. Hey. Oh, 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 yeah! I'm Mr. Reggae Ambassador. Gringo, il est beau ton shit. L'homme qui vient de Staines a dit OK! This is how we do it. S'il vous prie. Ali, il est génial ton jacuzzi.
Ce n'est pas un jacuzzi. Excusez. The party's here on the west side. So I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, oh we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and my guys ain't canine. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. Faites-la entrer. And let me hit a party, say I'm kinda buzzed. Danse pour moi, biatch. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. C'est comme ça qu'on fait nous. Let's flip the crack in the old school band. C'est comme ça qu'on fait nous. Ma Julie, je voudrais te demander quelque chose. Veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Oui, je le veux. Laisse-moi la diquer alors. This is how we do it in a UK vibe. This is how we do it. Comme un zoo, t'es d'accord, et Sabrina, t'es d'accord. This is how we do it. This is how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side. Alors, ça va, vous l'avez bien kiffé ce film? Il est plutôt pas mal, non? Il est largement meilleur que Harry Potter, hein? Que moi, personnellement, j'ai trouvé infantile. Si jamais tu regardes ça, Potter, je suis meilleur que toi. Je parie que t'as encore jamais pécho une fille. Hé, moi, je m'en suis fait 3. Et il y en a même une qui s'est tripotée devant moi. Enfin bon, je sais pas ce que vous avez pensé du film, hein, mais dites à vos potes qu'il était chambé. Parce que si jamais on se ramasse, moi, je pourrais jamais payer une nouvelle hanche à mamie. Alors, c'est à vous de décider. Je vous mets pas la pression. Mamie, petite mamie, viens leur expliquer. Quoi? Attends, me dis pas que tu t'es encore viandé. Quoi? Toi, tu t'es niqué l'autre hanche maintenant? Oh non, arrête de chialer. Attends, tu ressembles à rien, là. On dirait la mamie de tout en camon. Moi, je vais te le trouver, le cash. Pour te réparer, je trouverai bien un moyen. Et voilà. Allez, soyez pas des yinches. Achetez mes produits dérivés. Allergy. Shut it. Let's talk about with Julie right now, yeah, yeah, man. To the L, to the I, to the G, J to the U, to the L, I, to the S, to the H, to the A, double G, shut y, it. Y, old boys get busy. I need a cure for this thing I'm feeling. Shawty needs some sexual healing. I wanna reach and touch the ceiling. When I'm loving my Julie, me are the king of the late night dealing. Worse though, if it's just a piece I'm stealing. I see a sex and it's all over believing. When I'm locking my Julie, Julie, you know me love ya truly. From me head down to me coolie. Woman, you turn me on with your pickle and love me truly. You got the sweet stuff truly. That's right. When me touch it with me coolie. Hey, this Jackie make a rap too. Yeah, you is fitter than J-Lo. Next to you, she's just a minger. Fit as Destiny's Child. Well, apart from the lead singer, you's fitter than the Spice Girls, including the Ginga. Give it a shave, cause me wanna be in ya. They was claiming that I love what's wrong. The people just stared and said it was too long. But it ain't a crime to have a 12-inch. Dung, da, dung, dung, dung. Julie, you know me love it, yeah. Julie, from me head down to me coolie. Woman, you turn me on with your people and love me. Julie, you got the sweet stuff truly. That's right. When me touch it with me coolie. That's right. Cause you turn me on with your big bubble lamp. Boom! This is how we do it in a UK vibe. This is how we do it. Ha! It's the misty, misty, misty. This is how we do it. This is how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side. So I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, turn the key to my truck. Hit the show cause I'm faded. In the streets, say, girls, yo, you made it.